Située à 7 km de la cité de Tchéla, dans le territoire qui porte le même nom, Condé d'Ignolo est l'un des 32 villages qui compte le groupe Maniolo, secteur de Mbanga. C'est également le village qui a vu grandir l'abbé José Nkwanga, prêtre Nganganzambi du diocèse de Boma, ordonné le 11 octobre 1998 de main de son excellence Monseigneur Joachim Badukinkela Kupika, évêque du diocèse de Boma à ce temps-là. Après sa naissance à Tchéla le 15 novembre 1965, le jeune José Nkwanga s'est rendu 7 ans après à Condé d'Ignolo pour faire ses débuts à l'école primaire. C'est également dans ces villages que s'est révélée aux yeux de tous sa vocation à la prêtrise. Voilà ce qui justifie son attachement profond à Condé d'Ignolo. Quand j'ai commencé mon école primaire ici, le bâtiment était vraiment pas intéressant. Il n'y avait pas de bons bancs. On prenait des morceaux d'arbre et puis on faisait des bancs avec un arbre ici qu'on appelle du bousse, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Et nous n'avions que 4 classes de la première année en 4e année primaire parce que nous étions une succursale de l'école primaire qui prenait Niolo. Et lorsqu'on a fini la 4e année, on devait aller ailleurs pour les 2 dernières années de l'école primaire. Il y avait la possibilité d'aller à Kipene Niolo, à 8 km d'ici, ou à Tchéla, à 7 km d'ici. Mais comme j'avais mon oncle qui était enseignant à Lampa, il a préféré que j'aille vivre chez lui pour terminer l'école à ce niveau-là. Donc les conditions ici n'étaient pas celles que vous constatez, que vous voyez aujourd'hui. Vous savez, ma vocation a commencé ici. Devant cette, il y avait une maison, la plus belle maison du village, la maison de prêtre, qui malheureusement, avec l'ouragan qu'il y a eu il y a quelques mois, est tombée en désuétude. On est en train de la refaire. Il y avait un curé de la paroisse à l'époque, l'abbé Eugène Njombo. Nous, on était des enfants, alors il nous a posé la question de savoir qui veut être prêtre parmi vous. Et moi, j'ai levé mon petit doigt. Et depuis lors, c'est parti. Il a dit au chef catéchiste, voilà, cet enfant veut être prêtre. Le chef catéchiste l'a dit à mes parents, et mes parents ont pris ça à cœur. Comme tout autre milieu rural, Condé d'Ignolo est confronté à plusieurs difficultés liées aux besoins vitaux de croissance spirituelle et intellectuelle. Mais grâce aux efforts personnels de l'abbé Nkwanga José Dumbi, le village se démarque peu à peu avec des infrastructures modernes de construction. La chapelle sous-poste de la paroisse Mbatantombo, l'école primaire Condé d'Ignolo, puis la maison d'accueil et des passages sont l'essentiel des réalisations parmi tant d'autres de l'abbé José Nkwanga Dumbi dans ce coin de la province du Congo central. Depuis mon enfance, pendant que je grandissais, je me disais si un jour j'arrive à avoir des moyens, je vais rénover cette école primaire. Et surtout que quelques années après, on a eu la chance, avec le passage de Sécopé, on a eu la chance d'obtenir une direction scolaire. Et c'est cela qui m'a amené à contacter des amis, un ami surtout, et un groupe d'amis qui ont aidé à réaliser cette petite œuvre que nous avons inaugurée en 2011.
chaque fois que je viens, je trouve que ça vieillit. Donc, j'ai envie de tout remonter pour tout refaire si on avait des moyens. Mais je crois qu'on doit aussi essayer de mobiliser, de conscientiser les gens pour que la gestion de ce patrimoine, de ces bâtiments, soit quand même idoine. Qu'ils essayent, quand il y a quelque part une petite fissure, qu'on puisse déjà raccommoder, de sorte qu'on ne puisse pas perdre ces biens que nous avons. Alors, il y avait déjà une chapelle qui a connu beaucoup de restructurations. Tout au départ, c'était une petite chapelle tollée avec les efforts du sous-poste, donc des habitants du coin. Puis, la deuxième restructuration a eu lieu après qu'un de nos curés de Mbatantombo, le père Jacques Brisebois, ait offert des tôles au sous-poste. Ayant ces tôles-là, les amis, les gens, les habitants ont pensé restructurer la chapelle du village, du sous-poste. Mais, il y a quelques années aussi, je suis venu célébrer ici, un des vicaires de Mbatantombo m'a dit « Il faut penser à la chapelle parce qu'elle est en train de tomber en ruine. » C'est alors là que j'ai commencé avec mes propres moyens pour la restructurer. C'est à la fin que j'ai eu des amis, une bienfaitrice qui m'a aidé à la parachever et à la rendre telle qu'elle est maintenant. Elle a toujours été là, mais elle a beaucoup changé. Une de mes cousines qui malheureusement est décédée, qui est venue avec moi l'année passée, elle a dit « Je ne reconnais plus cette chapelle, je ne reconnais plus cette église. » Donc on a essayé un peu de là. Malheureusement, elle est petite. J'aurais bien voulu la prolonger encore, mais on verra avec le temps. Dans la même perspective, un centre hospitalier dont certains matériels sont déjà prêts et en pleine construction selon les normes requises. Vous savez, quand on a inauguré cette église chapelle en 2020, on a publié certaines images, quelques images. Alors il y a une réaction d'un des amis que j'ai sur Facebook. Ce néné dira, monsieur l'abbé, c'est bien, vous avez pensé à l'église, mais pensez aussi à un centre de santé, parce que les enfants dans ces coins-là ne sont pas pris en charge. Avant d'atteindre Mbatapangi ou d'autres structures médicales, ils ont déjà perdu le sang. Donc pense à quelque chose qui pourrait aider, soulager les enfants et les autres. Et une fois, lorsque j'avais commencé les travaux de l'école, nous avions un chef de groupement avec qui j'avais une bonne collaboration, une bonne entente. En sortant de la salle où nous avons eu notre réunion où j'annonçais la construction de l'école, il me dira, quand tu auras fini l'école, tu mettras un centre de santé là. Alors, cela m'est resté parce que c'est quelqu'un qui m'était très cher, Papa Bakambana, qui était notre chef de groupement. Alors, en rentrant en Suisse, j'ai parlé avec une dame de 94 ans, et puis elle s'est offerte pour
nous soutenir dans la construction d'un centre de santé. Tu as visité les structures. Nous voulons en faire un centre de santé à la taille, avec 30 lits, une salle d'opération, une salle d'accouchement et une pharmacie, ainsi de suite. On est au village, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais on fait d'abord, on réalise. Nous le faisons pour le peuple de Dieu, le peuple qui est à Niolo et aux environs. Ce n'est pas une structure privée. Après la construction, après qu'on en aura tout fini, je rendrai cette structure à la zone de santé. Et j'ai négocié avec les BDOM pour que la gestion soit à ce niveau-là. Nous faisons que mettre les structures en place, mais nous n'en serons pas les gestionnaires. Le travaux avance à pas de géant, l'inauguration donc ne doit plus traîner. Comment rester inerte face à ces innombrables réalisations? Fruit de la bonne volonté d'un particulier qui en réalité n'a plus d'intérêt dans ces villages, si ce n'est que la reconnaissance pour tous les temps y passés. Le chef du village, au nom et pour les comptes de tous, s'exprime. C'est l'école catholique, l'église au bois catholique.1998-2023, 25 ans de vie sacerdotale. À cet effet, une messe commémorative a été célébrée à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus Boma II par son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbimbambanzola, évêque de Boma, le dimanche 20 août 2023, en honneur des jubilaires, dont l'abbé José Nkwangadumbi.
Pour sa part, fier de son passé et de ses origines, l'abbé José Nkwanga a organisé une messe d'action des grâces au village Konde d'Ignolo en vue de partager sa joie avec le sien. Okanda, mon Seigneur et mon Dieu, pour moi, à une jambe à moi. Les délégations sont venues de tout le coin du monde pour célébrer ces moments. De la Suisse à l'Espagne, en passant par Kinshasa et Bandundu, sans oublier Matadi, Boma et Tiela, les invités à cette messe ont effectué les voyages jusqu'à Konde d'Ignolo pour honorer l'hôte et remercier le Dieu Tout-Puissant par la même occasion pour ses 25 ans de vie sacerdotale. C'est vrai que je suis émerveillé de découvrir le village d'Ignolo plutôt. Et c'est pour moi une nouvelle découverte. Donc, Ignolo, c'est un village très calme avec un grand sous-poste, notamment une belle église que je viens de découvrir ici. Tout ça est grâce aux efforts de l'abbé José Nkwanga, qui nous félicitons. Nous sommes ici pour ces 25 ans de vie sacerdotale. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc nous lui jetons effectivement des fleurs. Et vous voyez l'engouement qu'il y a ici. Il y a effectivement beaucoup de monde. Beaucoup de gens qui sont venus de partout, des villages environnants, pour suivre la messe qui va se dérouler cet avant-midi à Ignolo, à l'occasion de 25 ans de vie sacerdotale de l'abbé José Nkwanga. Voilà, je suis avec tonton Rodril, de Suisse. Voilà, tonton, votre impression par rapport au village, parce que j'espère que c'est votre première fois de venir ici. Disons que ce village, ça me dit quelque chose, parce que étant tout petit, moi je suis né dans un village qui est à peu près à 9 km d'ici. Et tout petit, on est venu jouer au foot. Il y avait un terrain ici, et puis mais ça a tellement changé. Et puis à l'époque, j'étais tout petit, je voyais les terrains tout grands. Et maintenant, je viens, je vois un village qui s'est rétréci avec tout ce qu'il y a comme changement, exode rural et tout ça. Les gens ils sont partis en ville. Et vraiment, c'est un grand plaisir, d'autant plus que je rencontre la maman Célestine Toula, que je vois que par image sur YouTube. Et puis, depuis la Suisse, la Suisse, à Lucerne ou à Lausanne, et maintenant je suis à Litry, au bord du lac Léman. Et pendant mes heures libres, je regarde la télé, l'émission Phara Phara, et puis, comme j'aime bien montrer le terroir, alors je regarde souvent ces émissions-là, et vraiment, je suis enchanté d'être là. Et de vous rencontrer et de vous saluer aussi, vous, mes frères, mes soeurs. Vraiment, ils ont assez mon qui n'est tout le monde, amour. Qui n'est tout le monde. Beaucoup, ils ont coupé le bois. Y'a un mambo. Beaucoup, ils ont dit à ma coco, ma cramba. Limbella. Zitaka, Zindila. Donc, ma joie est grande, ma joie est immense de voir que mon petit village peut attirer du monde. Comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, il y a des gens venus de Kikwit, il y a des gens venus de Kinshasa, il y a des gens venus un peu de partout dans le territoire, dans le coin de Ignolo, Tumba, Tiela et partout. Ça me réjouit, ça me rend heureux et ça a toujours été mon rêve. Je suis en quelque sorte ambassadeur de Ignolo partout où je passe. Je parle de Ignolo partout. J'ai un groupe d'amis au nord de l'Italie qui, le groupe s'appelle les amis de Conde de Ignolo. Voilà. Donc ça fait une grande joie. Et aujourd'hui, comme vous êtes là, cette messe va être suivie par plusieurs personnes. Et je crois que j'en suis énormément fier et content. Bien qu'un ministère pastoral en Suisse depuis 2018, et résident en Europe depuis 1999,
l'abbé José Nkwangadumbi trouve toujours du temps pour se rendre dans son village, célébrer de messes et des sacrements. Loin des yeux, près du cœur, ses prières vers les seigneurs rentrent dans le cadre des développements et des désenclavements du village Condé d'Ignolo. L'abbé Nkwangadumbi fait sa part, il appartient donc à l'État et aux ressortissants des Condé d'Ignolo de faire les leurs. Si j'avais beaucoup de moyens, j'ai rendu ce village un petit bijou. Parce que je suis né, toute mon histoire est liée à ce village. J'ai beaucoup de projets que le Seigneur nous garde en vie et aussi qu'il nous accorde le moyen. Nous venons de construire cette maison de famille pour le village, mais j'ai pensé déjà y mettre le panneau pour que ça vive. Et de ces panneaux, on allait aussi alimenter certaines familles. Mais je crois qu'avec le temps, on arrivera à le faire. Et merci beaucoup d'abord de votre présence dans ce coin perdu, dans le territoire de Tchela, dans la paroisse Saint-Chapote de Batantombo. Merci à toute cette population, à tous ces amis venus de tous les coins. J'ai une amie de la Suisse qui est avec moi ici. Ma prière que le Seigneur accorde à chacun de nous la paix du cœur, la santé, pour que nous puissions continuer à promouvoir le développement de notre coin. C'est mon souci. Mais aussi comme prêtre, je veux continuer à servir Dieu à travers mes frères et sœurs. Et je le dis toujours, j'ai envie d'être aussi au paradis avec les gens que Dieu met sur mon chemin. Ma famille, mes amis, mes paroissiens, tous les amis du coin, ce serait intéressant que nous nous retrouvions près du Seigneur pour contempler son visage pour l'éternité.
CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.